Hello, bonjour, la team Balance, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti pour une lecture intuitive pour le mois de juillet 2021. Restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo, mes amis Balance. J'ai une petite surprise pour vous. J'ai une offre promotionnelle qui débutera le 1er juillet, mais j'en parlerai à la fin de la vidéo. Regardons maintenant, concentrons-nous sur les énergies du mois de juillet. Alors, c'est parti, une carte des anges. Chiffre 26. Vos proches sont également des anges. Vous êtes accompagné de personnes angéliques. Chiffre 26, 6, 7, 8. Vos proches sont également des anges. On va garder cette carte-là et on y reviendra un peu plus tard. Alors là, je vais choisir. Donc, je vais faire un tirage avec l'oracle des miroirs. Je vais compléter avec le petit oracle de la créatrice. Je vous montre Corinne Madelin. Je sais que vous l'aimez beaucoup, cet oracle. Je l'utilise souvent ces derniers temps, depuis quelques mois là. Et puis, je vais compléter et terminer par le 77. OK? Ça va pour vous? Ok, alors ça va pour moi, alors super. On parle de oups, fécondité, de projet. Alors c'est parti. On nous parle d'évolution au niveau du travail, du plaisir. On va parler de tranquillité. Attention, la carte centrale, elle est pour moi importante. Wow! Projet, fécondité, homme, famille, très beau tirage là, hein. Contrat, accord et puis administratif. Ok, super. Bon, ben, ça va être un mois, ouais, tranquille, avec plein de nouveaux projets. Alors, nous avons la carte amitié ici. La carte amitié en dos de deck pour nos amis Balance. Alors avant de débuter cette lecture intuitive, je vous informe que bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Je vais parler de différents éléments. Prenez vraiment ce qui résonne le plus avec vous. Le reste, vous mettez de côté. Essayez de prendre cette lecture, hein, prenez un peu de recul, comme si vous étiez en haut d'une montagne et vous regardez. Ce paysage, vous regardez un petit peu comment ce que les choses, elles, évoluent. Alors, pour moi, en carte centrale, nous avons la carte fécondité, la carte projet. Pour moi, ici, on vous sent tout le mois de juillet, très calme, posé dans votre élément. Vous aimez la tranquillité, vous aimez, voilà, principalement les hommes, hein, ici. On sent que c'est un mois où. Ou peut-être vous avez envie de parler de projet, ça peut être projet professionnel, projet juridique peut-être, hein, ici, projet de vie vie de couple ici, hein, très clairement avec avec la carte sexualité. Carte sexualité, pour moi, à côté du travail, ça m'oriente ici vers. Je vais prendre ma pierre, la pyrite. On a une évolution. Donc, on voit une satisfaction au niveau professionnel. Vous avez beaucoup de plaisir au mois de juillet, peut-être avec un nouveau projet qui va vous être donné, ce qui fait que vous allez être beaucoup plus calme, peut-être un poste un peu plus calme, ou cet été au niveau du travail, ça va être plutôt calme, voilà, disons cela comme ça. Mais on vous sent avec beaucoup de plaisir, quoi. Tout ce que vous entreprenez, vous allez beaucoup. On voit des passionnés de travail, là, ça ressemble un petit peu au tirage des vierges que j'ai fait hier. Ici, on nous indique une belle évolution professionnelle. Donc, si vous désirez une promotion, vous allez peut-être avoir une promotion au courant du mois de juillet ou en discuter hein, avec la carte accord, avec votre supérieur, de vos désirs d'évolution au sein de la boîte. Ça peut être pour les mois à venir. Avec votre réseau professionnel, on peut voir aussi un changement de poste évolutif hein, dans un secteur qui vous plaît. Les secteurs qui vous plaisent ici, donc on reste dans des secteurs administratifs, juridiques, assurances, banque, trader, finance, voilà, des métiers comme ça.
J'ai autre chose qui n'a rien à voir, mais j'entends l'audition ici, l'audition. Audition. Les appareils auditifs, pardon, ici. Hein, on peut signer un contrat sur un nouveau projet avec une entreprise dans le milieu auditif. Voilà. Aussi peut-être dans le secteur de la maternité, pédiatrie, médecine. Voilà, des métiers comme cela. Aussi tout ce qui est soins énergétiques et spiritualité. D'accord? C'est très doux, c'est très calme. Sur le plan familial, ici, on voit qu'il y a des accords. On dirait que vous avez besoin, vous êtes beaucoup plus calme, comme si vous avez discuté avec... Alors, il faudrait voir ce qui s'est passé en juin pour comprendre ce tirage de juillet, mais on dirait que... Quand on le prend comme ça, brut, comme ça, ce tirage, on dirait qu'il y a quelque chose qui vient depuis le mois de juin. Ça a été posé, ou vous avez eu quelques complications, difficultés en juin. Et du coup, là, c'est... voilà, c'est posé. Vous le sentez, ça? C'est... Voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, en gros. Et maintenant, je laisse l'univers faire le reste. Un bel apaisement ici avec votre famille, hein, des contrats ici avec, avec la famille, où vous êtes en accord. Vous avez pris une décision avec votre conjoint ou votre femme, ou parents, grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines, de vous mettre en accord sur un projet, soit administratif, bancaire. En tout cas, vous êtes en accord pour un projet. Ouais, il est très doux. Il n'y a pas beaucoup de mouvement. Il y a beaucoup de douceur ici. Alors peut-être ici beaucoup de mouvement sur le plan professionnel, mais là on est sur quelque chose de très tendre et de très doux. Tranquillité, fécondité, homme, avec le casque. On dirait que vous voulez plus écouter, vous portez un casque. Alors là, c'est peut-être plus pour les hommes, hein. Et vous voulez plus écouter ce que l'on vous dit ou ce que vous dicte la famille, ou en tout cas, vous n'avez plus envie d'écouter, mais ça, vous avez envie de ressentir. Voilà. Vous ressentez les choses ici, c'est très très fort. Et je pense que vous allez le dire peut-être, hein, cette sensation que vous avez ici en carte centrale. On va regarder avec le petit oracle de Corinne Madelin. Je vais les rajouter une à une sur chaque tas. Une belle évolution aussi sur le plan sentimental. D'accord, ici, je complète juste encore. Belle évolution avec la famille, hein, une bonne entente. La tranquillité. Alors, si vous partez en vacances avec des enfants, ça va être tranquille. C'est ce que je ressens ici. C'est bien mérité. Et puis, je sais pas, peut-être dans un lieu tranquille. Abondance. On a une belle évolution ici. On a de l'abondance ici. Hein. Pour moi, la carte abondance, je vois pas financier ici. Hein. Je vois une abondance sur un travail de développement personnel ici. Ouais, vous êtes enrichi. Ou vous vous enrichissez le début d'une nouvelle, d'un nouveau plaisir. On peut avoir une rencontre avec son âme sœur. Obstacle. Ah, peut-être trop tôt. Union. Ah. C'est intéressant tout ça. On voit ici union, fécondité. Donc, fécondité, la carte, on parle très clairement de grossesse, hein, ici. On parle de grossesse ici, hein, donc bien évidemment, si vous avez plus de 66 ans, ça ne vous parle pas, mais on peut parler de projet ici, hein, vous avez envie de vous unir avec quelqu'un dans le cadre d'avoir un enfant ici, hein, mais l'enfant ici, il regarde vers cette carte-là, on peut avoir un obstacle ici, mais vous avez envie de vous unir ici pour un projet. C'est très très beau. Un homme créatif, très très beau, lenteur. Ouais, ça va venir doucement avec la famille.
un accord avec les enfants et puis la fin de problèmes juridiques au mois de juillet. On a des choix à faire. C'est un très beau. Tout d'un coup, je me suis calmée ici. J'avais beaucoup d'énergie. Et puis là, il y a quelque chose. Ici, les balances. Pourquoi vous êtes comme ça? Il y a une lenteur. Il y a quelque chose de calme comme ça. Très serein. Très doux. Très tranquille. Limite, je dirais que c'est peut-être un peu trop. Ici, avec les enfants, on peut parler de contrat, d'accord avec les enfants. Donc, soit on change d'école, école universitaire. Voilà, y a un nouveau, il y a un renouveau ici pour les enfants. Avec la famille, il y a quelque chose de lent ici, comme si on attendait une décision et ça ne s'est pas encore produit. Mais ça va venir. Regardez ici, c'est la fin de problèmes difficiles hein, d'ici fin juillet. Hein, pour tous les hommes et les femmes balance qui ont eu des tracas au niveau juridique, administratif ou bancaire, là, c'est la fin. Pour les relations sentimentales, ce tirage nous indique, c'est très beau, ce tirage nous indique que vous êtes ou que vous allez rencontrer votre âme sœur. Il y a une union ici, hein, vous voyez. Une union enrichissante, hein, abondance ici. Mais il y a un choix à faire. Comme s'il y avait quand même des obstacles. C'est-à-dire, attendez, calme. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une belle harmonie, mais comme s'il y avait un obstacle. Peut-être un obstacle sur la tranquillité. C'est un besoin ici que vous avez. C'est fou, je le ressens très très fort. Vous avez besoin de tranquillité. Vous avez besoin de calme au mois de juillet. Donc ici, le message, il est plus à vous dire, allez vers sur ce que vous avez besoin. Moi, j'ai vraiment cette carte tranquillité qui résonne. Communication avec une femme. Communication avec une femme. Donc ici, on peut être dans une relation sentimentale où il y a quelques petits obstacles par rapport à la tranquillité. Alors ça peut indiquer que vous êtes une femme et puis vous avez peut-être rencontré un homme qui lui n'est pas tranquille, un peu brutal comme ça. Ça peut créer un petit peu un obstacle sur la relation parce que vous voulez beaucoup de douceur, de tranquillité. Voilà, qu'on se mette en accord, voilà, et ça pourrait un petit peu bloquer ici, d'accord? Les signes de la balance, vous êtes le signe de l'amour, hein, vous aimez débuter les choses calmement, discuter tranquillement, voyez, c'est ce que vous recherchez. On a un petit peu de jalousie là, mais on ne sait pas pourquoi, mais de discuter calmement ici, voilà. Peut-être avec cette personne ici. Il y a un obstacle, en tout cas pour une union. Mais en communiquant avec la personne, vous arriverez à prendre les bons choix. Très très beau tirage. Professionnel, j'ai dit. Ouais, professionnel, ça va être top au mois de juillet. Hein. Ouais. C'est comme si c'était la fin de. Alors ici, on a fin juillet. On a la fin de quelque chose et le début d'un plaisir. La fin de problème, c'est très joli ici, comme c'est indiqué. La fin d'affaires administratives ou de contrats ou la fin de quelque chose pour le début d'un plaisir. Voilà. Voilà ce que je peux dire. C'est très doux. C'est très 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 doux comme tirage. Merci beaucoup les balances de me permettre de faire un tirage aussi doux. Parce que je ressens beaucoup votre douceur ici. Est-ce que vous attendez d'ailleurs, hein? Est-ce que vous recherchez cette tranquillité et cette douceur? Alors, c'est parti. On va regarder. Je vais en prendre quelques-unes. On peut parler de. Voilà. On va couper. Dans un, 2 ou 3 mois. Voilà, on ne se précipite pas. Ah, il y a une union ici. Hein. Deux fois la carte union qui est sortie.
Chiffre 4 ici, union là. On coupe quelque chose avec le passé. Alors, tous ceux, je vais prendre ma pierre du quartz rose. Pour tous ceux qui sont en couple, ou peut-être il y a quelques petites complications avec votre âme sœur, des difficultés ou des obstacles, ou voilà. Vous devez maintenant choisir, hein, et puis communiquer avec la personne. Hein, communiquer et puis couper peut-être quelque chose qui peut bloquer. Ici, on a un obstacle, eh ben, il faut simplement le bloquer, le couper. Ça peut être un obstacle par rapport aux enfants ou un obstacle par rapport à la famille. On dirait que d'ici 1, 2 ou 3 mois, vous allez couper tout ça. D'accord? Donc là, on est au mois de juillet. Je pense que vous allez prendre votre temps, juillet, août, septembre, 3 mois. Et puis là, vous allez prendre votre décision, hein, un choix. Alors, ça peut, vous allez me dire, ça peut être dans 1, 2 ou 3 jours, 1, 2 ou 3 semaines, ou bien 1, 2 ou 3 ans, ça m'a l'air d'être beaucoup, 1, 2 ou 3 mois, d'accord? Et on couple par rapport à ces obstacles ici. Il y a un obstacle ici, mais ça, c'est vous qui vous le savez. Alors, est-ce que c'est trop de tranquillité? Est-ce que c'est pas assez? Il y a quelque chose, il y a un obstacle dans une union qui empêche en fait de vous unir. Voilà. Voilà mes amis Balance pour votre tirage. Alors, dans l'ensemble, si ça ne vous a pas parlé, hein, sur le plan sentimental et professionnel. Ce qui ressort le plus ici dans ce tirage, c'est la tranquillité, la lenteur, de la douceur, beaucoup d'harmonie, hein, dans ce d'harmonie positive dans ce tirage. Hein. Voilà, on peut avoir des couples qui vont s'unir ici. Hein, on peut avoir des demandes, des mariages ici. Hein, vous pouvez vous marier au mois de juillet ou dans les quelques mois à venir. Sur le plan professionnel, on a un début de, on a peut-être une promotion ici, hein. Peut-être une promotion. Voilà, on va regarder une carte. On va prendre une carte des anges gardiens, puis on va compléter ce tirage qui est très très doux. Vos proches sont également des anges, d'accord? Rappelez-vous, hein, ici, chiffre 26, vos proches sont également des anges. Deux, de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Oh, trop chou. Voilà. Très, très, très beau tirage. Merci beaucoup, les balances. Voilà. Alors, je vous avais parlé d'une petite surprise. Donc, effectivement, je fais une offre promotionnelle pour tout le mois de juillet, la team Balance. J'ai atteint cette semaine les 50 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, qui existe maintenant depuis 2 ans. Vous y avez contribué, vous m'avez aidé à évoluer et à faire grandir cette chaîne. Je vous en remercie infiniment. Pour cela, j'ai décidé de faire une offre promotionnelle uniquement pour le mois de juillet. Donc, vous verrez toutes les informations en bas de cette vidéo, voire même ici à la fin de cette vidéo, vous verrez une petite vignette qui vous dirigera vers mon site internet pour une offre promotionnelle avec moi si vous désirez une lecture intuitive. Voilà les balances, je vous souhaite à tous un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.